Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo 100% action qui se fera en deux parties. La première partie, le haul de cette semaine, ce que j'ai trouvé dans mon magasin et ce qui m'a intéressé. Et dans la deuxième partie, ça sera la partie création 100% action. Pour commencer, je voudrais reparler un petit peu des aquamarkers, car peut-être que vous hésitez à les acheter ou que vous les avez achetés et que vous vous demandez comment les utiliser. J'ai fait 3 vidéos à ce sujet si jamais vous ne les avez pas vues. La première vidéo est une vidéo découverte. La deuxième est celle que je préfère, où là déjà j'ai un petit peu plus de recul sur le produit et où je vous montre d'autres utilisations, notamment les fonds qui sont faits ici. Mais je vous montre également 2 créations que j'ai fait avec. Et puis j'ai fait une troisième vidéo sur les aquamarkers, mais également sur les distress markers. Donc en fait, je vous montre un nuancier comme ceci. Je vous montre mes distress markers. Donc j'ai une énorme trousse ici de chez Maison du Monde où je mets tous mes marqueurs. Et donc je vous parle de différents produits. Je vous parle aussi des crayons de chez Distress. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces vidéos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si c'est un sujet qui vous intéresse. Et avant de continuer mon haul, je voulais revenir sur la conclusion à laquelle j'étais arrivée si jamais vous n'avez pas envie d'acheter les 6 packs. Je les ai préparés donc ici derrière. Donc ça c'est le nuancier que j'ai fait et que je vous montre dans la vidéo numéro 1. Eh bien, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que le meilleur investissement, c'était d'investir dans ces 3 paquets-là. Le paquet jaune, le paquet bleu et le paquet, on va dire, plutôt dans les gris peut-être. Pourquoi? Parce que si on regarde le nuancier, voilà, le paquet dans les gris, justement, il y a du gris, il y a du noir, il y a du brun. Là, il y a beaucoup de lumière, donc j'espère que vous verrez quand même. Mais n'hésitez pas à aller voir donc la partie 2 et je donne la conclusion à la fin également. Le paquet bleu ici, vous avez quand même différents tons de bleu, vous avez du mauve. Et le dernier ici, ce qui est très important, je trouve, si on n'a rien d'aquarellable, c'est quand même qu'il y a un bel orange et j'ai utilisé le jaune également avec vous. Donc voilà, je pense que s'il faut en acheter que 3, voilà les 3 couleurs que je vous conseille. Alors voilà, j'arrête de parler des aquamarkers, je pense que j'en ai déjà parlé beaucoup. Je pense que je vais bientôt les réutiliser parce que je pense que c'est quand même un chouette produit. Et avec les enfants notamment, ils aiment bien tout ce qui est aquarelle et j'ai parfois un petit peu du mal à leur prêter les miennes. Alors, je voulais vous montrer différents achats. Alors, j'ai acheté, je vous ai montré dans un haul précédent, des pochoirs ici. Et je suis toujours à la recherche de comment ranger. Donc, j'ai acheté cette petite farde chez Action. Et ce que je vais faire, mais je vais encore redécouper, je vais mettre ici à l'avant, en fait, l'emballage. Et je vais mettre ici à l'arrière les différents pochoirs. Et je trouve ça vraiment très pratique pour voir et conserver les différents pochoirs. Ce que j'aime bien avec cette farde aussi, c'est que j'en ai acheté 2, une verte et une bleue, il me semble, pour les révisions, pour les examens de mes enfants. Et on a pu mettre dedans les feuilles de matière, les dossiers de révision, comme ça, tout était centralisé à un endroit. Et c'est vrai que c'était très très pratique, donc petit conseil également. Alors, ce que j'ai acheté aussi, c'est ceci. C'est un organiseur de bureau que je trouve très tropical, très agréable. Ça fait venir le soleil parce que ça fait longtemps que je n'ai plus eu de soleil. Donc ça fait venir le soleil et vous voyez ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez un plateau, vous avez ces différentes petites boîtes et ça constitue en fait cet ensemble-là. Je suis en train de me demander moi si je vais vraiment l'utiliser. Alors soit j'utilise comme ensemble de bureau pour mettre ici dans ma chambre. C'est où je tourne les vidéos et où je scrape un petit peu, mais je scrape surtout dans ma scrap room. Ou bien je vais vraiment les utiliser séparément. Je pense que ça peut être des contenants assez sympas pour faire d'autres choses, notamment le grand. J'ai déjà une petite réflexion, mais je vais voir. Je vais voir et si je fais quelque chose avec, je vous tiendrai au courant parce que l'idée vous intéressera peut-être. Alors, j'enlève la lumière peut-être. Oui, il y a vraiment beaucoup de reflets. Ça, c'est le problème des plastiques. Alors, peut-être que ça peut vous intéresser, hein, ce que vous avez vu. Non, je ferai une vidéo à part. Peut-être une fois que ça vous intéresse, pour celles qui ont envie de tourner des vidéos, justement à quoi ça ressemble, ce que j'utilise comme matériel, les lumières et tout ça, je ferai peut-être une vidéo à part. Alors, je voulais également vous montrer des choses que j'ai achetées parce que j'avais fait une vidéo mix média et que je voudrais refaire une vidéo, mais avec du matériel action. Je ne sais pas quand parce que je manque de temps. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo où j'avais fait cette création-là. J'étais assez surprise du résultat parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas du tout mon style à la base. Alors, je vais pivoter un petit peu. Je vais essayer de pivoter, voilà. J'ai acheté des fleurs, donc de chez Action, des fleurs en métal.
Vous voyez, j'avais utilisé une fleur là derrière. Eh bien, ces fleurs-là, franchement, peuvent être également utilisées pour faire ça. Et j'ai acheté des fleurs. J'achète pas souvent des fleurs chez Action, mais j'ai acheté celle-ci. Donc voilà, c'est un peu dans l'objectif de faire une création dans ce genre-là. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Je sais, j'en montre souvent, mais des petites paires de ciseaux comme ça, j'en mets partout dans la maison, dans la salle de bain, dans ma scrap room, dans ma chambre. Je me demande si j'en ai pas mis une dans la voiture. Enfin, j'ai toujours besoin de petits ciseaux et je n'ai pas envie d'en mettre dans mon sac à main, donc je préfère en mettre un petit peu partout. Alors, ces marqueurs-là, je vous avais fait une démonstration dans une autre vidéo et j'ai trouvé vraiment assez sympa. Et voilà, je vais les offrir à ma fille. Et je pense que ça vaut la peine. Je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il dure, hein, s'il y a beaucoup à l'intérieur, mais en tout cas, les couleurs sont très douces. Et je trouve que voilà, c'est un bon feutre. C'est 5 mm et c'est juste ce qu'il faut. Pas trop gros, pas trop fin. Alors, j'achète énormément de post-it. Voilà, je mets des post-it partout. Je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, je mets plein de rappels dans mon GSM, mais j'ai besoin aussi que les choses soient écrites. Parfois, dans ma scrap room, j'ai une étagère au-dessus. Et il y a parfois plein de post-it partout pour me rappeler plein de choses. Enfin voilà, en tout cas je suis une grande consommatrice de post-it. J'essaye d'acheter moins de papier chez Action parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour ce bloc-là. Est-ce qu'il est nouveau ou est-ce qu'il était depuis longtemps dans mon magasin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien certains motifs. Alors voilà, celui-ci. J'aime bien quand il n'y a pas des trop gros motifs. Alors des notes de musique, ça peut toujours servir. Et puis il ne faut pas regarder les pages dans son entièreté. Vous pouvez tout à fait prendre une petite étiquette. Vous pouvez tout à fait faire des découpes dans ce papier-là. Donc voilà, ça j'aime un petit peu moins, ce que j'aime moins, je donnerai à ma maman. Ça j'aime beaucoup. On a quand même eu beaucoup de choses chez Action de ce style-là. Ceci, ça fait penser, je regarde souvent Chasseurs d'appart ou Maison à vendre. Et quand il rénove la maison, il met souvent des choses comme ça. Voilà, c'est des papiers. La plupart, je les aime beaucoup. Il y en a d'autres, je ne me vois pas les utiliser. Mais on ne sait jamais. Et ceci, c'est quand même des papiers assez neutres, assez passe-partout. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit bloc, en tout cas assez sympa. Quand je réfléchis à faire le choix d'acheter un bloc chez Action, il faut qu'il y ait plus de la moitié des pages qui m'intéressent. La totalité, ça arrive très rarement. Je pense qu'il y a deux blocs l'année passée dont j'ai parlé beaucoup sur ma chaîne, que j'aime bien toutes les pages. Mais sinon, la plupart du temps, c'est certaines pages j'aime beaucoup moins. Donc voilà, si la plus de la moitié du bloc m'intéresse, je l'achète et je distribue les autres pages. Alors, je suis très petit carnet et à l'approche des vacances, je recommence mon stock parce que voilà, c'est en vacances que j'ai le plus de temps pour réfléchir, pour cogiter et j'aime bien noter mes idées. De nouveau, je le fais dans le GSM, mais par écrit dans un petit carnet, ça fait du bien également. Alors, j'ai acheté des jeux de cartes comme ceci. Alors, pourquoi ça a à voir avec le scrapbooking? Parce qu'en fait, la boîte transparente est très pratique. Donc, j'ai tendance à la garder pour y ranger des choses. Je vous montrerai ça une prochaine fois sûrement. Il y a deux jeux à l'intérieur. Alors, soit les jeux de cartes, je les donne à mes enfants. Quand ils partent en excursion en fin d'année, ils aiment bien avoir un jeu de cartes. Et on a tendance, les autres, à perdre des cartes. Mais ça ne me dérange pas parce que, en fait, je récupère les jeux de cartes où il manque des cartes. Et alors, je vous avais montré ça dans une vidéo. Je customise, en fait, ces cartes de jeu. Et voilà, je les utilise dans plusieurs projets de scrap. Donc voilà, l'achat est double ici, les cartes, mais également la boîte. Alors, il n'y a plus beaucoup dans ma caisse. Il y avait ce papier ici, embossé, que je n'avais pas encore vu dans mon magasin. Et en fait, j'ai hésité parce que les couleurs... Alors, je vais quand même ouvrir un petit peu avec vous. J'avais peur que les couleurs ne conviennent pas. Et puis, parfois, je dois faire des trucs un petit peu plus sirènes. Et je trouvais que pour faire des choses sirènes, c'était super joli. Donc voilà, en plus j'ai commandé via le Créatelier Caracol, via Joël, ben justement quelque chose avec des sirènes. Donc vous risquez d'avoir des créations sirènes un de ces jours. Et je me suis dit que ces papiers pourraient bien servir. Alors, ce petit pot est très pratique pour mettre de l'eau, pour y mettre les pinceaux. Voilà. Alors j'en avais déjà, mais les enfants me les ont un petit peu piqués, donc j'en ai récupéré un. Alors j'ai acheté de la colle, ça c'est assez classique, mais pour moi elle est pas mal du tout. Et puis j'ai acheté des enveloppes, et mes enveloppes c'est vraiment, en fait c'est ce modèle là d'enveloppe que j'utilise pour vous faire vos envois. Donc quand j'envoie un échange, j'utilise ceci, parce que petit rappel ici en Belgique, le format classique on ne peut pas dépasser 1/2 cm de hauteur. Et donc, en prenant une longue enveloppe, ça me permet de mettre beaucoup plus de choses. Parce que quand je fais un envoi d'une ATC, j'envoie l'ATC, mais j'aime bien mettre quelques petites choses en plus. Pas des tonnes, hein, parce que vu le nombre d'échanges ou d'envois que je fais, je ne peux pas mettre beaucoup.
Mais voilà, la petite intention en plus de la TC, je trouve que c'est sympa, ces petites enveloppes bonheur, ou en tout cas j'espère qu'elles procurent du bonheur. Voilà, j'adore les envoyer. Je voudrais en faire plus, mais il y a et le temps et le budget qui ne le permet pas. Donc voilà, vous voyez un petit peu mes achats de la semaine. Ben, le gros budget, ça a été la semaine passée, les aquamarkers. Cette semaine, j'ai racheté quelques petites choses. Alors, j'y vais chez Action aussi parce que, ben voilà, je trouve aussi les collations pour les enfants et plein d'autres choses. Et puis, chance ou malchance, je ne sais pas, mais le Action est vraiment, je l'ai déjà dit, juste derrière mon travail. Je pense qu'il faut sortir de l'école, on passe à côté du parking, il y a un petit chemin et on est presque directement au Action. Donc, ça veut dire que la tentation est quand même assez grande. Et puis, quand j'ai des heures de fourche, j'ai envie aussi de m'aérer. Et je ne sais pas pourquoi mes pieds arrivent jusqu'aux Actions, c'est magique, donc voilà. Mais j'essaye quand même d'être raisonnable, hein. Ce n'est pas des achats gigantesques, ce n'est pas catastrophique non plus. Et bien voilà, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est la partie création. On se retrouve pour la partie création 100% action. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je montrais comment fabriquer étape par étape la carte pyramide. Alors, ça vient de l'idée en fait d'une de mes amies. Alors, elle l'a trouvée sur internet, hein, mais en tout cas, elle a eu l'idée de m'offrir cette carte pyramide. Elle y avait caché des découpes et j'ai donc construit avec vous celle-ci, mais il fallait encore la décorer. Donc, je mettrai le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu cette vidéo ou si vous voulez la revoir pour la construire. Je devais la décorer déjà depuis un certain temps, mais j'ai voulu faire une carte fête des pères entre-temps. Il y a eu les marqueurs Aquarellab de chez Action qui sont sortis et j'ai voulu les tester. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps pour l'instant, mais aujourd'hui, j'avais promis de la décorer et je vais le faire. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est comme chaque fois, quand je démarre dans un tuto, en tout cas pour les 100% Action, je n'ai pas d'idée de projet en tête à l'avance. Donc, j'essaie d'avancer petit à petit. Bon. J'ai construit donc la carte pyramide avec vous, avec du papier de chez Action, et je me suis demandé comment décorer. J'ai regardé plein de choses que j'avais dans mon bac Action, donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, j'ai un bac où je mets mes produits Action qui m'inspire en fait pour faire les créations 100% Action. J'ai regardé et je trouvais que les couleurs ne me convenaient pas, les motifs ne me convenaient pas, je n'arrivais pas à trouver exactement ce que je voulais. Donc je me suis dit, on va utiliser des tampons, mais on ne va pas les mettre directement sur la création, on va les mettre sur un autre papier. Je vous explique ça tout de suite. Donc les deux planches de tampons que je vais utiliser, ce sont les papillons ici de chez Action. Maintenant, je vous rappelle, ce ne sont que des inspirations, vous pouvez tout à fait prendre d'autres. Alors j'ai notamment vu des papillons de chez Action, il y en a souvent. Et avec justement des classeurs d'embossage, il y avait ici ce beau papillon aussi. Donc des papillons chez Action ou dans d'autres marques, vous trouverez ça facilement. Donc les papillons. Et puis j'avais besoin de fleurs et je n'avais pas encore utilisé cette planche également de chez Action. Puisque je vous rappelle que le but de ces vidéos, c'est d'utiliser le matériel qu'on est tenté d'acheter chez Action. Alors, j'ai choisi ces deux planches de tampons. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dans mes vidéos, j'essaye en tout cas qu'elles ne soient pas trop longues. Donc, j'essaye de faire quand même pas mal de choses sans vous, mais quand même de vous montrer les étapes intermédiaires pour que vous puissiez le faire facilement si ça vous intéresse. Alors, ce n'est pas du matériel Action, mais moi, j'ai ce qu'on appelle des indispensables. Alors, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai mis de la lumière, hein, parce que la luminosité, c'est toujours pas top. Alors, mon indispensable aujourd'hui, c'est la... en tout cas, mon indispensable à moi, vous n'êtes pas obligé évidemment de l'acheter. C'est une presse à tampons. Moi, c'est la Timols, la Tonic. La Tonic Studio de chez Timols. Moi, je l'ai acheté au Créatelier Caracol et je l'ai payé aux alentours de 30 euros. Je pense vraiment que je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans le magasin, c'est 30 euros. 30 euros, alors en matériel Action, c'est vrai qu'on achète beaucoup avec 30 euros, mais du matériel, puisque moi j'aime le Action, mais aussi le matériel qui n'est pas Action, 30 euros, c'est parfois deux belles planches de tampons, donc je pense que c'est un bon investissement. J'en ai déjà parlé plein de fois, l'avantage notamment, c'est de pouvoir recommencer son cachet et de le remettre exactement au même endroit si on l'a raté, si on n'a pas bien mis, par exemple, du noir partout. Et ça permet également de, quand on a positionné, vous voyez, je l'ai fait ici, j'ai positionné mes papillons et mes fleurs, quand on les a positionnés une fois, on peut facilement faire plusieurs fois la même feuille puisque tout est déjà prêt. Donc il y a plein d'autres avantages, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais je pense que c'est un bon achat. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'en avais pas préparé, mais j'en ai toujours dans mon tiroir ici à côté de moi. Vous prenez un bloc acrylique et vous le collez dessus et il n'y a aucun souci, ça marche aussi. Donc, j'ai mis tout ça sur ma presse à tampons, j'ai mis du papier. Alors, si vous me suivez sur ma chaîne,
Vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois, je déteste le papier de chez Action, le papier aquarellable. Attention, hein, ils ont des très beaux papiers, mais le papier aquarellable comme ceci de chez Action, je ne l'aime pas. Et je pense qu'il y en a un rose ou un rouge qui est sorti, mais celui-là, je ne l'ai même pas encore testé. Mais pour une fois, je l'ai pris, puisque de toute façon, j'en avais acheté, et que c'est une vidéo 100% Action. J'en profite, je vais juste me retourner dans ma bibliothèque, dans ma scrap room, et je vais vous montrer... Moi, le papier que j'aime beaucoup, c'est celui-ci qui existe en différents formats, A5, A4, A3. Ça, c'est un petit bloc A5. Et moi, c'est le meilleur papier aquarelle que j'ai trouvé, en tout cas par rapport à mes goûts. Parce que notamment, il y a un côté un peu plus structuré et l'autre est plus plat. Et comme j'aime bien coloriser des personnages, c'est vraiment super bien. Et dans mes vidéos où je testais donc les marqueurs aquarellables donc de chez Action, je vous montrais notamment la différence avec le papier que je viens de vous montrer et le papier de chez Action. Et il n'y a pas photo. Alors, je range mon bloc. Oui, j'essaye d'être de plus en plus ordonnée dans ma scrap room parce que ça déborde de matériel. Donc, si on n'a pas d'ordre, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. J'ai tamponné et ça a donné ceci. Voilà les tamponnages. Et comme c'était facile parce que tout était déjà positionné, j'en ai fait deux fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, parce que pour l'instant, le produit un petit peu, on va dire, à la mode chez Action, oui, on peut dire ça, c'est les marqueurs aquarellables donc de chez Action. Je vais les utiliser. Je vais les utiliser. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que je vais coloriser ou est-ce que je vais plutôt faire des fonds? Alors, que je vous explique, je vais utiliser en fait la technique de faire des fonds, mais en utilisant les papillons. Je vous montre ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? J'ai d'abord découpé un bout de boîte en plastique, donc les boîtes où étaient rangées les aquamarqueurs. Donc j'ai pris un morceau de plastique. J'aurais pu tout à fait vous enlever en fait le papier blanc et vous vous retrouverez en fait sur ma plaque en verre de chez Tonic Studio que j'adore. Mais vous allez avoir des reflets et puis tout le monde n'a pas cette plaque. Et comme on fait du 100% Action, je montre avec du matériel 100% Action. Donc j'ai pris ce morceau de plastique. J'ai pris les grands ciseaux de chez Action que je trouve bien pratiques. Pas pour détourer, mais en tout cas pour couper des grandes quantités ou en tout cas pour quand c'est du papier épais ou même du carton, je les trouve vraiment très très bien. J'ai mis d'un côté les papillons, de l'autre côté j'ai mis les fleurs. Et j'ai préparé quelques combinaisons, donc par deux comme ceci, d'aquamarqueurs. Alors, c'est complètement au hasard. Je me suis un tout petit peu inspirée du nuancier que j'avais fait avec vous dans une vidéo. Normalement, je vais essayer de penser de mettre en barre d'infos les vidéos justement sur les aquamarqueurs. Mais voilà, c'est complètement au hasard. Je ne les ai pas testés. Je vais faire ça avec vous. C'est ça le but, parce que si je vous montre juste le résultat final, c'est pas intéressant. Donc, je vais faire ça avec vous et j'ai besoin d'un petit spray d'eau. Alors, c'est pas un spray de chez Action, mais vous prenez un spray de récupération ou bien des sprays. Il y en a vraiment dans toutes les marques. Mais en tout cas, j'ai besoin d'eau et j'ai besoin que ça se disperse en petite quantité. Il ne faut pas non plus que ça soit trop mouillé. Pourquoi j'appelais ça la technique des fonds? Parce que pour moi, la technique de colorisation, c'est quand on essaye de ne pas dépasser. Tandis qu'ici, ça va être le contraire. C'est que je vais faire le fond des papillons et des fleurs. Et après, je vais m'amuser à tout détourer. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt une technique de fond. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo. Et puis, de toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il y a ça partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la couleur et on va mettre de l'eau. Et puis, on va mettre le papier dessus. Alors, je vous ai dit, j'aime pas trop ce papier-là. Mais je suis curieuse de voir justement si le papier Action, pour faire des fonds, ça va aller. En tout cas, pour coloriser, ça ne va pas du tout. En tout cas, c'est mon opinion. Alors, pour moi, il y a deux techniques différentes. La première, c'est de mettre une première couleur, de l'eau. Et puis, vous mettez le papier dedans et vous séchez. Alors, vous séchez avec le heat gun. Le heat gun, moi c'est pas un Action, mais à un moment il y en a eu hein, quand il y avait les poudres à embosser de chez Action, donc vous l'avez peut-être acheté à ce moment-là. Sinon, je pense que ça fait quand même partie du matériel de base quand on fait quand même du scrap depuis un petit peu de temps. Donc voilà, ça chauffe, ça fait du bruit, donc je sais pas si je vais vous montrer quand je chauffe. Et puis je mets mon autre couleur. Et puis sinon, la deuxième technique, c'est finalement de laisser sécher après les deux couleurs, mais de ne pas sécher entre les deux. Allez, je vais vous montrer, ça sera vraiment le plus simple. J'ai pris les deux couleurs ici. J'avais déjà dit que la 67, je pense que je l'aimais beaucoup, et 88. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le côté où il est marqué brush, parce que c'est le côté où c'est le plus épais. Je vais venir donc en mettre ici. Je vais prendre mon spray d'eau et je vais mettre donc de l'eau au-dessus. Je vais prendre un des papillons et je vais venir, attention, c'est important,
tapoter dedans. J'explique. Si vous appuyez très fort comme ça, moi je trouve que ça ne se disperse pas bien. En tout cas, j'aime pas les traces que ça fait. Moi, je viens juste tapoter. Je pousse un petit peu, hop, je soulève. Je pousse un petit peu, je soulève. Et voilà ce que ça donne. Alors, je sais qu'il y en a plein en dehors. Je vais même remettre un peu de couleur. J'en ai beaucoup mis. En fait, c'est pour ça. J'ai tellement l'habitude que je fais les bords. Voilà. Eh bien, voilà. Il n'y a pas des tonnes de bleu. Il y en a beaucoup en dehors. Ben, ça sera comme ça. Mais en tout cas, voilà la technique. Alors, je ne vais pas sécher. Je vais mettre directement l'autre couleur. Donc, je vais plutôt faire la technique où ça va un petit peu plus se mélanger parce que je ne sèche pas entre les deux. Je remets encore de l'eau. La quantité d'eau que vous allez mettre va quand même changer le résultat. Donc ça, c'est important de le dire. Là, j'ai plutôt poussé au milieu. Donc regardez, moi, je trouve ça pas mal du tout. Je sens que ce n'est pas du papier 300 grammes. Hein. Regardez, vous le voyez, avec l'eau, il se plie quand même beaucoup. Un papier, un vrai papier aquarelle, peu importe le modèle, 300 grammes, ça ne fait pas ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour ce que je veux faire, je pense que ça suffira. Et voilà le résultat que j'ai. J'ai pas forcément envie d'avoir de la couleur partout. Il y a quelques petites zones où j'ai encore du blanc. Eh bien, je trouve ça pas mal non plus. Donc, celui-là, je vais le mettre sur le côté. Alors, je vais prendre pour essuyer. Alors, évidemment, je n'ai pas prévu. Voilà. Quand on est dans une scrap room, il n'y en a toujours pas très loin. Voilà. Alors, on va faire un autre test. Je vais prendre ces deux couleurs-là pour faire une des fleurs. Le 35 et le 23. Je commence par la couleur la plus claire. Je commence par le jaune. Un petit peu d'eau, vous l'avez vu. Et je vais prendre une des fleurs ici. Celle-ci que je trouve très jolie. Elle va être un peu moins rigolote à détourer par contre. Voilà. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Je vais en prendre une petite parce que comme ça, on ne fait pas de gaspillage. Et je prends le jaune qui me reste ici. Et voilà. Et de nouveau, il n'y en a pas partout, mais c'est ce que je veux. Alors, j'essuie un petit peu. Je prends l'orange ici. Le côté le plus gros. Et je mets de l'eau. Faites attention de bien refermer ces marqueurs parce que si vous les laissez... Alors, je sais que vous savez qu'il ne faut pas laisser un marqueur ouvert, mais parfois, on entend justement un petit clip. Comme ça, vous ne l'avez pas l'entendre peut-être à la caméra. Mais c'est très important de faire attention de bien le fermer. Alors là, je n'ai pas séché entre les deux. Mais par contre, je l'ai laissé un petit peu sur le côté. Donc, ça peut jouer quand même un peu sur l'effet. Ah, par contre, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que la couleur orange est vraiment très, très forte. Donc, elle prend vraiment le dessus. Donc, je n'ai presque plus mon jaune d'avant. J'en ai quand même encore un petit peu. Hein, donc ça va convenir. Mais ça, c'est important. Il y a parfois des couleurs qui prennent vraiment le dessus. Et qu'il faut parfois éviter de superposer. Alors, je n'en ai plus beaucoup. Donc, je vais en remettre un tout petit peu. Là, j'ai pris l'autre côté. Vous avez vu la différence de marque. Hein. Ça, c'est le côté fin. Je prends ma fleur. Maintenant que je sais que ça prend bien le dessus, je vais plutôt aller sur les côtés. Le problème, c'est que je ne vois pas vraiment où est ma fleur. Une autre solution, c'est de détourer avant. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait parce que comme je ne suis pas sûre d'utiliser toutes les fleurs, je me suis dit si je détoure toutes et puis que je ne les utilise pas, c'est un petit peu dommage. Rassurez-vous, je ne vais pas faire toutes les fleurs avec vous. L'objectif, c'est de vous montrer surtout 5 combinaisons. Comme ça, vous réfléchirez si vous les utiliserez. Donc voilà, là, j'ai mis un petit peu moins d'orange, mais il y a quand même quelques traces. Donc voilà, je vais laisser sécher. De nouveau, je sens vraiment que le papier n'est pas très épais. Alors, donc, j'ai déjà essayé ces deux duos de couleurs. Alors, cette fois-ci, je vais essayer quoi? Ces deux-là. Je commence par le plus clair. Ça, c'est important. Hein. Je pense que vraiment, commencer par la couleur. Alors, j'ai pris le mauvais côté par rapport à ce que je vous avais conseillé. Voilà. Alors, la couleur la plus claire. Un petit peu d'eau, pas trop. Je vais faire un papillon avec ça. Hop. Hop. Oh, j'aime bien. Mais de nouveau, le problème, c'est que j'en ai mis beaucoup à côté. J'ai tellement... Oh. Je ne suis pas habituée. D'habitude, je veux faire justement les bords. Allez, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Un petit peu d'eau. Voilà, là, j'ai bien mis au milieu. Regardez ça, c'est super joli. Nous mettons maintenant la couleur lavande.
Je tapote. Pouch. 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 Et pouch. Regardez, c'est joli. Et de nouveau, j'ai laissé du blanc. C'est voulu. Alors, encore deux essais de duo de couleurs. Et puis, je termine toute seule. Et je vous montrerai après. Alors là, j'ai décidé cette fois-ci de prendre ceci. Alors, je considère... C'est difficile de savoir le plus clair. On va dire que c'est le jaune. Voilà. Oui, c'est tellement clair qu'on ne le voit presque pas. Alors, hop. J'ai quand même vu de plus en plus de personnes qui avaient donc trouvé les marqueurs de chez Action. Et certains, ou certaines, qui n'ont pris que certains paquets, même s'ils y étaient tous. Et c'est ce que je vous avais conseillé. Moi, j'aurais pris que 3 paquets. Là, maintenant, franchement, je suis assez contente de les avoir. Et je pense que je vais en passer une partie ou la totalité peut-être à ma fille. Et quand j'en aurai besoin, j'irai le chercher. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de choses qui sont aquarellables. Et ma fille les aime vraiment beaucoup. Donc, j'y réfléchis. Pour l'instant, franchement, ils ne prennent pas tellement de place dans ma scrap room. Je pensais vraiment que ça allait prendre plus de place. Alors, maintenant, je papote. Je ne sais même pas si je vous ai montré. Les couleurs claires, finalement, elles ne sont pas si mal que ça. Hein, si jamais on met pas trop de couleurs dominantes au-dessus. Alors, attendez, je parle et je réfléchis en même temps. Oh, cette couleur, elle est magnifique. Donc, 63, gros coup de cœur. Je vous l'avais déjà dit, je pense. Enfin, moi, j'aime bien le bleu. Hein, donc, hop. Allez, on va essayer de ne pas enlever tout le jaune. Et finalement, j'ai pas utilisé mon heat gun. Alors, si on met plus d'eau, on voit moins les marques aussi. Voilà, super. Voilà. Et dernière combinaison, finalement les combinaisons sont pas mal. Ben, je n'ai pas pris beaucoup de risques non plus. Dernière combinaison que je vous propose, c'est deux bleus ensemble. Le Aquamint et le Royal Blue. Alors là, on voit bien que c'est le Aquamint qui est le plus clair. Donc je commence par le plus clair. Un petit peu d'eau. Qu'est-ce que je vais prendre comme papillon pour le faire? Oh, ce petit-là est très sympa. Allez, hop. Mais évidemment, il y a moins de surface. Il faut vraiment que j'essaie que l'autre bleu ne prenne pas trop le dessus. Et maintenant, toutes mes couleurs se sont mélangées. Donc, lequel je n'ai pas encore fait, le Royal Blue, voilà. Hop. J'aimerais avoir un énorme plan de travail pour vous faire les vidéos. Mais on fait avec ce qu'on a. On est déjà bien content quand on a une scrap room, même si elle est toute petite. Elle est toute petite, hein, mais je fais blabla en même temps. Je squatte un peu d'autres pièces de la maison, notamment pour filmer. Je vais souvent dans ma chambre. Alors, nous partons de là et nous rajoutons un petit peu de bleu, qui est pas mal du tout. Et j'aime bien ce papillon-là avec les taches sur les ailes. Moi, je suis très tache. Pas quand je les fais exprès, enfin pas quand je les fais pas exprès, hein. J'aime bien les tâches que je fais exprès. Donc regardez, bon, faut quand même s'imaginer que je vais retirer en fait beaucoup. Alors attendez, vous savez quoi, je vais en remettre un petit peu. Voilà, donc voilà mon dernier papillon. Donc si je fais le point, j'avais fait ceci avec vous, ceci là, nous avons celui là celui ci et celui-ci. Donc voilà, je ne vais pas utiliser ces papillons-là. Je vais en faire d'autres hors caméra que je vous montrerai. Maintenant, je suis en train de réfléchir et je suis quand même en train de me dire que c'est quand même pour aller sur ceci. Donc je ne sais pas si je vais en refaire beaucoup avec le jaune et l'orange. Mais en tout cas, au moins, ça vous aura permis de voir la combinaison de couleurs. Donc je continue tout ça et je vous montre. Voilà, j'ai fait plein d'autres papillons que je ne vous avais pas encore montrés. Alors finalement, j'ai décidé d'abandonner les fleurs parce que j'ai regardé sur ma création et de mettre des fleurs et des papillons qui ne sont pas dans le même style, ça ne va pas aller. Donc finalement, on ne va mettre que des papillons. Voici les différents papillons. Alors j'ai noté derrière le numéro des couleurs, donc ça sera plus facile. Là, j'ai utilisé 147 et 70. Ici, j'ai utilisé le 47 et le 83. Ici, le 84, donc 84 et 76. Pour celui-ci, j'ai utilisé le 147, le 82 et j'ai rajouté du 47, c'est-à-dire que j'ai rajouté un petit peu de vert à la fin
parce que les deux couleurs de mauve, ben voilà, il manquait quelque chose qui tranchait un peu comme tout à l'heure quand on a mis ici le rose, ça tranche bien avec le bleu. Alors, celui-ci, alors là, j'ai mis beaucoup d'eau, mais voilà, il faut tout essayer. C'est 47,82. Et celui-ci, c'est également... Ah non, c'est 147, 82 et 47. Donc, il y a deux mauves et un petit peu de vert. Donc, j'ai essayé de voir évidemment des couleurs qui pourraient aller ici, hein. Moi, je trouve qu'il y a un peu bleu, un peu vert, un peu mauve. Voilà, il y a quand même pas mal de couleurs à l'intérieur. Ce que je voudrais vous montrer encore. Alors, je mets mes papillons sur le côté parce que avant de les découper, ce qui est très important, c'est de bien les laisser sécher. Sinon, le papier, il va se déchirer et vous aurez vraiment difficile à détourer. Donc, moi, je vais faire ça à l'aise. Alors, ce n'est pas une paire de ciseaux Action et en plus, je pense qu'on ne la vend plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'utilise la paire de ciseaux à grandes oreilles, comme je l'appelle. C'est de chez Fisca. J'ai une bonne prise avec ma main et j'aime bien que ça soit pas trop... En fait, c'est bien pointu, mais c'est pas trop long. Donc, voilà, il faut que chacun ou chacune trouve sa paire de ciseaux. Détourer, c'est pas toujours marrant, mais au moins si on a la bonne paire de ciseaux, c'est déjà plus facile. Alors, ce que je voulais vous montrer une dernière chose, c'est que on a vraiment des effets différents. Si ici j'ai pris du mauve, j'ai retourné mon papier dedans, donc sur le plastique, et je n'avais pas mis d'eau. Donc déjà là, vous avez quand même, et j'avais fait un zigzag comme ça, donc vous avez déjà un certain aspect. Ici, j'ai pris les mêmes zigzags et j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et voilà ce que j'ai. J'ai quand même encore la trace du zigzag. Et ici, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau et donc je ne l'ai plus. Donc voilà un exemple d'effet différent qu'on peut avoir en fonction qu'on met beaucoup d'eau ou moins. Voilà le carnage. J'ai tout découpé et il ne reste donc plus que ceci du papier qui était autour des papillons. Voilà les papillons. Alors, ça m'a quand même pris un petit peu de temps de les détourer. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Je ne vais pas vous les montrer un à un parce que vous les avez déjà vus tout à l'heure. Alors, je crois, en tout cas, je vais tester cette planche de stickers. En fait, j'aimerais bien le texte qui est ici. Moi, quand je fais une création, j'aime bien qu'il y ait un message. Et donc, hello, je trouve ça pas mal. Moi, j'aimerais bien que Action fasse une planche avec rien que des hello écrits de plein de manières différentes et de plein de couleurs différentes. Alors, sur la création ici, moi, je vais la laisser ouverte comme ceci. Je vais la laisser en 3D, elle ne va pas être pliée. Donc, je vais pouvoir faire dépasser des papillons d'un petit peu partout. Par contre, si vous voulez la replier et la mettre dans une enveloppe, c'est-à-dire qu'il y a tout à fait la possibilité donc d'ouvrir ici et de replier, j'ai montré ça dans l'autre vidéo, il faut vraiment faire de la décoration à plat. Et donc là, vous êtes obligé, je prends un papillon au hasard, de faire rentrer les papillons à l'intérieur pour pouvoir replier bien la création. Sinon, vous pouvez faire dépasser. Je vais agencer tout ça parce que la vidéo est déjà très longue, donc je ne vais pas faire ça avec vous, mais vous verrez le résultat final. Je vais vous montrer le résultat final, mais vous avez déjà une vue du haut. Je voulais juste vous préciser que si je n'étais pas dans une vidéo 100% action, j'utiliserais mes petits chouchous. Alors j'en ai plein, mais j'en ai pris deux devant vous. Les nouveaux Crystal Drop. Je pense que les petits points sur les ailes des papillons, notamment ça, ça donne un effet transparent, mais ça fait une petite bille. Des petits points comme ceci dans les tons mauve, je pense que ça aurait pu vraiment terminer la création. Mais nous sommes dans une vidéo 100% action et je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Alors sachez qu'à la fin de la vidéo, comme chaque fois, il y aura des photos parce que je pense que d'abord c'est plus facile pour avoir une belle lumière et puis ben ici comme je suis en plongée sur ma table, je pense que ça sera plus sympa de voir une vidéo de face, enfin des trois faces de la carte pyramide. Mais voilà ce que cela donne. Donc j'ai fait déborder mes papillons. Il y a le hello. Alors, ce qui est important aussi avant que je vous montre les autres faces, c'est que je n'ai pas collé partout avec de la colle. J'ai chaque fois mis au milieu, sur le corps du papillon, j'ai mis un petit mousse 3D, aussi de chez Action. Comme ça, le reste du papillon n'est pas vraiment collé et ça fait un peu justement comme s'il s'envolait. Alors voilà, donc ça c'est ce que je vous ai montré. J'aime beaucoup le petit papillon bleu là en haut, qui est vraiment tout en haut de la pyramide. Le hello qui ressort bien. Alors après, je tourne. J'ai ce côté-ci. Je vous remonte les papillons, mais vous les connaissez. La plupart, on les a fait ensemble. Et j'aime bien le fait que ça dépasse un petit peu. Et bien, voilà ce que donne la décoration de ma carte pyramide.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez que je continue. Mettez des pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie de continuer à suivre mon aventure, abonnez-vous. Il y a même une petite cloche qu'on peut activer pour ne rater aucune vidéo. Je ne fais pas que des vidéos actions, je fais également des vidéos sur des produits qui ne sont pas actions car je ne pourrais pas me passer de ce type de produit. Je fais également des blabla le lundi parce que j'essaye de pas trop parler d'autre chose dans mes vidéos tuto. Et puis je fais aussi des ouvertures de balles, donc de boîtes aux lettres, des échanges que je fais avec des scrap copines ou des envois que vous me faites. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.